Les yeux cernés, à la façon des châteaux dans leurs ruines. Une bure de ravin entre elle et son dernier regard. Par un temps délicieux de printemps, quand les fleurs fardent de la terre, cet abandon de tout et tous les désirs des autres à son gré, sans qu'elle y songe. Sa vie, aucune vie, sinon la vie. Sa poitrine est dans son ombre, et son front ne sait pas que sa chevelure ondulée le berce obstinément. Des mots, quels mots? Noirs ou Cévennes, bambou, respire ou renoncule. Parler, c'est se servir de ses pieds pour marcher, de ses mains pour racler les draps comme un mourant. Les yeux ouverts sont sans serrure, sans effort on a la bouche et les oreilles. Une tache de sang n'est pas un soleil accablant, ni la pâleur une nuit sans sommeil qui s'en va. La liberté y est plus incompréhensible encore que la visite du médecin. De quel médecin? Une chandelle dans le désert? Au fond du jour, la faible lueur d'une chandelle. L'éternité a commencé et finira avec le lit. Mais pour qui parles-tu, puisque tu ne sais pas? Puisque tu ne veux pas savoir? Puisque tu ne sais plus, par respect, ce que parler veut dire? Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre Lire.